et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors c'est la première vraie vidéo tuto que je vais proposer du coup sur cette chaîne. C'est pas trop tôt, vous allez me dire. Donc je vais la consacrer à Procreate. Procreate, je vous en ai déjà parlé lors de ma vidéo sur l'iPad Pro, où je vous ai un petit peu expliqué les deux logiciels que j'utilise le plus souvent, en l'occurrence Procreate et Clip Studio Paint. Donc je commence par Procreate parce que c'est le plus simple à expliquer. Très probablement, je ferai une vidéo également sur Clip Studio Paint, à la fois sur PC, mais également sur iPad, bien que le logiciel est très similaire, mais j'en ferai une. En attendant, on va commencer par Procreate. Je vais vous expliquer les bases, donc comment appréhender le logiciel, où aller, à quoi correspondent les différentes icônes, et comment le manipuler le plus simple, et des petits trucs aussi à savoir pour vous faciliter la vie dessus. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Peut-être que j'ai pas tout couvert sur cette vidéo. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Bon visionnage. Donc l'application Procreate, vous la lancez. Lorsque vous arrivez sur le premier écran, en réalité, ce sont donc vos fichiers que vous allez voir. Donc évidemment, quand vous allez commencer, il n'y aura rien. Il n'y aura rien du tout. Enfin, vous aurez simplement cet écran. Vous aurez simplement ces dessins-là. Ce sont des dessins d'exemple qui permettent de voir un petit peu ce que les gens sont capables de faire avec ça. Donc c'est vraiment magnifique. Ça donne vraiment envie. Donc vous n'aurez, à part cette pile d'exemples, vous n'aurez rien d'autre. Il va falloir que vous créez votre première œuvre. Donc, pour cela, vous allez appuyer sur le petit bouton plus ici. Et là, vous allez avoir un choix des pré-réglages. Donc vous pourrez choisir le format carré, qui sera adapté pour par exemple, si vous voulez faire un dessin calibré pour Instagram. Le 4K, mais moi je m'en sers jamais, mais c'est bien de savoir, c'est bien de l'avoir. Le A4, grand classique. Format photo, et ensuite tout ce qu'il y a en dessous, c'est mes propres réglages. Bon, je les ai pas nommés, mais voilà, ce sont mes propres réglages. Vous pouvez créer vos propres réglages. Pour cela, il suffit d'appuyer ici. Et donc là, vous pouvez choisir absolument tout, donc les dimensions. Vous pouvez même choisir de mettre en centimètres, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec les pixels. Et la résolution. Alors, première chose à savoir, c'est que Procreate donc, est optimisé pour l'iPad. Et donc, le but, c'est que votre expérience de dessin soit la plus fluide possible. Pour cela, en fait, en tout cas, une des choses qui permettent ça, c'est l'optimisation. Et en gros, lorsque vous allez créer votre feuille, donc là, j'ai pris un format A4 à 300 dpi classique. Et je vais aller simplement dans l'option d'étoile, simplement pour vous montrer. Là, vous allez dans Information toile, et là, vous avez donc les dimensions de votre toile que vous avez donc créée. Et ici, vous allez avoir les calques. Et vous allez voir, j'ai un maximum de calques de 57. Ça veut dire que je ne pourrai pas aller au-delà. Bon, 57, c'est largement suffisant pour travailler, hein. Il n'y a pas de problème particulier. Donc, c'est pas un souci. Par contre, si vous choisissez de faire une toile avec une résolution plus élevée, donc là j'ai un format A4 mais à 600 dpi celui-là. Si vous allez sur le même, si vous allez au même endroit, donc toile, information, calque, vous allez voir que là j'en ai plus que 12. Tout simplement parce que au plus vous allez travailler avec une résolution élevée, au plus il va limiter le nombre de calques pour éviter de surcharger la mémoire. Du coup, c'est la première chose que je vous dis, faites attention. Lorsque vous créez votre toile, prenez en compte cette limite-là. C'est la seule que vous aurez en tout cas sur Procreate. Donc, on va revenir à notre menu. Donc, une fois que vous avez créé votre toile, il va immédiatement vous zoomer dessus. Donc, vous voyez, c'est très fluide, ça zoome immédiatement. Alors, si vous avez l'habitude plutôt de travailler sur des logiciels type Photoshop, vous avez l'habitude d'avoir un environnement de travail plutôt chargé. Procreate permet d'éviter ça, c'est ce qui est très appréciable. Du coup, vous avez un environnement qui est très épuré, mais c'est qu'une apparence. En réalité, il est plutôt complet. Alors, du coup, ceux qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont jamais utilisé le logiciel de dessin comme ça, ils vont se dire mais je fais quoi? Et ceux qui ont l'habitude de Photoshop, ils vont se dire mais elles sont où les options? Où sont tous les trucs? Pas de panique. Alors, première chose à savoir, ici, vous avez les réglages d'action. Donc, vous pouvez choisir d'ajouter un fichier, une photo, ajouter du texte. Vous pouvez aussi copier la toile.
Dans toile, donc outre information de toile que je vous ai déjà montré, vous pouvez redimensionner votre toile. Attention, vous pouvez juste redimensionner la taille, pas la résolution. Si vous avez choisi une résolution, vous la gardez, vous serez obligé de créer une nouvelle toile. Donc faites attention à ça. C'est également ici que vous allez pouvoir faire l'assistant d'animation et le guide de dessin. Le guide de dessin, ça vous permet par exemple de mettre en place une grille. Et vous pouvez choisir de mettre une perspective par exemple. Voilà, vous mettez des guides et ensuite vous pouvez choisir de suivre ces guides, très pratiques. Donc nous pour l'instant on va enlever le guide de dessin. L'assistant d'animation, je m'en sers jamais, je ne fais pas d'animation, donc je vous invite à regarder des vidéos qui vont vous expliquer comment s'en servir. Je vous mettrai éventuellement des liens dans la description. Alors, vous pouvez également retourner la toile horizontalement, verticalement. Ça vous permet de faire des swipes pour vérifier que vos dessins sont à peu près droits. Ensuite ici vous avez l'option partager, donc ça vous permet d'exporter tout simplement votre travail dans les formats les plus communs, donc bon, le format natif, le format Photoshop, si vous voulez retravailler dessus après sur Photoshop vous pouvez, le format PDF, le JPEG, le PNG que je vous recommande pour partager votre dessin qui a beaucoup moins de perte de qualité que le JPEG, et le TIFF. Ici, juste à côté, vous avez la vidéo. Alors la vidéo, c'est une feature très sympa de Procreate qui va vous permettre tout simplement de créer une timelapse. Une fois que votre dessin est terminé, vous pouvez la lire et ensuite l'exporter en plusieurs formats. Alors je vais vous montrer un petit exemple sur un dessin. On va prendre par exemple celui-là. Donc ça, c'est un dessin que j'ai terminé. On va dans vidéo et là, vous pouvez faire lecture en timelapse. Et là, il vous lit votre dessin. Alors il accélère tout seul la vidéo, mais en mettant votre doigt et en passant comme ça, vous pouvez revenir en avant, revenir en arrière, et vous pouvez vraiment décider à quelle vitesse vous pouvez le lire, c'est super pratique. Alors la longueur de la vidéo va dépendre du temps que vous avez mis. Vous pouvez ensuite accélérer, si vous voulez encore plus accélérer, vous avez deux solutions. Quand il vous propose de l'exporter, par exemple, vous voyez, il vous propose pleine longueur, donc la longueur par défaut, ou alors en 30 secondes. 30 secondes, c'est le format idéal, par exemple, si vous voulez faire des vidéos pour, par exemple, Instagram ou TikTok, si vous voulez les exporter sur ce type de réseau, c'est tout à fait possible, parce que ces réseaux prennent des longueurs limitées, donc Procreate a prévu. Donc, pour la vidéo. Ensuite, vos préférences, ici, vous pouvez faire l'interface claire, foncée, l'interface main droite. Enfin, vous pouvez régler vos préférences. Et le bouton d'aide. Donc, restaurer les achats, les réglages avancés. Vous avez le manuel. Si vous voulez, vous avez accès au site avec les ressources également. Autre option que vous avez, c'est ici, la petite baguette magique. C'est l'option des ajustements. Ça va tout simplement vous permettre de régler par exemple des choses comme l'opacité, rajouter un flou en swipant, vous voyez comme ça, vous pouvez flouter votre image. Vous avez plusieurs types de flou. Moi j'utilise surtout le flou gaussien dans mon travail. Vous pouvez modifier la netteté, le bruit. Vous avez l'option liquéfier aussi. Alors je m'en sers pas énormément, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Ça permet de faire des distorsions sur votre dessin de manière assez impressionnante. Vous pouvez régler plein de choses. Vous pouvez faire des tourbillons. Vous pouvez vraiment faire des effets vraiment très intéressants. C'est assez rigolo à regarder d'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez vous en servir pour faire des effets sur de l'eau par exemple, c'est parfait. Vous pouvez également, vous avez le bruit. Vous avez l'option clone. Alors celle-là, elle est rigolote, je m'en sers de temps en temps. Ça permet en fait de... Vous mettez ce petit curseur rond sur une zone et vous dessinez sur une autre zone et en fait ça clone ce qu'il y a sous le rond. C'est très pratique, notamment pour faire, si vous faites... Moi je m'en sers pour faire de la correction, notamment de texture. Pour reproduire exactement un endroit, et voilà, c'est vraiment très très chouette. Vous avez également donc les éternelles teintes, saturation, luminosité ici. Vous pouvez tout régler. La balance des couleurs. Les courbes, la recoloration, donc très très pratique. Cette option ici, alors ça c'est l'option de sélection, à main levée par exemple, vous pouvez sélectionner une zone
et vous pouvez faire à partir de là du copier-coller. Si vous cliquez en même temps, juste après, sur la petite flèche ici, ça sélectionne la zone. Vous pouvez, la déplacer où vous voulez sur votre dessin. Vous pouvez choisir aussi de l'agrandir, de la diminuer. Vous pouvez le faire en la déformant. Quand vous choisissez uniforme, vous gardez l'homothétie. Si vous faites freeform, vous pouvez vraiment la faire comme vous voulez. Vous avez également la déformation qui permet de faire des torsions, notamment pour mettre des visuels sur un plan, c'est vraiment pas mal. Et déformer avec la grille, où là vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Comme vous voyez, ça, c'est vachement fluide. Vous pouvez aussi retourner verticalement, horizontalement, vous pouvez pivoter, vous pouvez l'adapter. Enfin bref, vous avez vraiment une pléthore de choix très très pratique. L'outil sélection est vraiment très très bien. Par exemple, quand vous voulez sélectionner une zone, vous voyez comment c'est. Donc vous pouvez le faire de manière très précise. Alors le truc qui est bien, c'est que si vous retirez votre stylet de l'écran, ça ne ferme pas votre sélection automatiquement. Vous pouvez reprendre pour continuer. Vous pouvez même faire plusieurs sélections à partir du point. Et quand vous cliquez sur la flèche ici, enfin la flèche, vous avez votre sélection et vous pouvez sélectionner ça comme vous voulez. Voilà pour en tout cas les outils sélection de Procreate. Voilà pour les boutons d'options ici. À votre droite, ici vous avez les brushes. Alors, les brushes par défaut, vous en avez donc dans Procreate quand vous téléchargez le logiciel. Elles sont très bien. De base, ça vous permet déjà de vous amuser, mais forcément, vous allez avoir besoin d'avoir des brushes custom. Vous pouvez en télécharger plein sur les ressources du site. Et petite nouveauté sympa, si vous êtes un utilisateur de Photoshop, vous pouvez importer maintenant vos brushes à partir de Photoshop sans avoir besoin de modifier le format, quoi que ce soit. Ce qui est super pratique si vous tenez à retrouver vos brushes que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc vous avez également un éditeur de brushes, vous cliquez sur la brush et vous pouvez tout éditer, modifier absolument tout. Moi j'y touche pas, pareil il existe des vidéos pour vous expliquer comment faire, je vous mettrai également le lien dans la description. Alors, juste à côté de la brush, vous avez la petite main ici, ça c'est le blender ou le mélangeur, ça vous permet tout simplement de, je vais vous montrer, mélanger plusieurs couleurs entre elles. Donc là j'utilise une brush d'aquarelle, hein, très classique, hop, prenez deux couleurs, et quand vous utilisez le blender, en fonction du blender que vous allez utiliser, vous allez avoir des effets différents, donc celle-là c'est ma préférée, j'aime beaucoup ce blender-là. Ensuite, l'effet va vraiment dépendre de la brush que vous utilisez. Moi, je sais que j'étais pas super contente des effets des brushes de base. Après, ils en ont rajouté d'autres. Donc, je vous invite à faire des tests et à vraiment prendre des brushes qui vous plaisent dans les diverses ressources internet que vous avez. La gomme, bien évidemment. Donc, pareil, hein, vous pouvez utiliser la brush que vous souhaitez pour la gomme. Et ici, vous avez les calques. Alors, les calques. Donc comme n'importe quel autre logiciel de dessin numérique, vous allez pouvoir rajouter un calque. Donc pour ça, vous appuyez sur le petit bouton plus. Il le rajoute par défaut par-dessus votre calque, votre premier calque. Mais vous pouvez bien évidemment le modifier. Vous pouvez le mettre en dessous. Vous pouvez le mettre au-dessus. La couleur d'arrière-plan, c'est un calque spécial. Que vous pouvez très bien le retirer ou tout simplement le faire qu'on ne le voit pas, ça rendra le fond transparent. En tout cas, ce calque, il sert à régler la couleur de fond, si vous voulez un blanc ou en tout cas une couleur différente du blanc, c'est sur ce calque-là qu'il faut aller. Alors ensuite, quand vous cliquez une fois sur votre calque, ici vous avez un menu qui apparaît. Donc ici vous pouvez renommer, sélectionner, copier le contenu, remplir le calque de la couleur, effacer le contenu, le verrouillage alpha, très important, activer le masque d'écrétage, ultra important aussi, ça vous permet, le masque d'écrétage c'est une option qui vous permet de rajouter, de lier le calque en dessous, de lier votre calque à celui du dessous, pour ne dessiner que sur la surface qui a été dessinée en dessous. Ultra pratique, moi je m'en sers tout le temps.
C'est également ici que vous pouvez activer l'assistant de dessin, par exemple. Ça vous permet, lorsque vous, comme je vous ai montré au tout début avec l'outil perspective, ça vous permet de ne dessiner que sur les guides et sur les lignes qui sont prévues pour ça. Inverser, vous inversez votre calque. Référence, ça veut dire que vous mettez votre calque en référence et que, par exemple, quand vous faites des sélections ou des remplissages, ce sera ce calque-là qui sera pris en référence. Par exemple, excusez-moi, lorsque vous faites un line ou un ancrage, vous mettez votre ancrage en référence, vous travaillez sur un autre calque pour la couleur et ça vous permettra de sélectionner uniquement à partir du calque de line pour éviter de mettre de la couleur partout, par exemple. Vous pouvez également le fusionner avec le calque inférieur ou le combiner. Voilà pour le menu déroulant. Alors, ensuite, vous avez d'autres options. Vous avez un petit N juste ici. Ça veut dire que le calque est en mode de fusion normal. Alors, vous pouvez changer ce mode de fusion en cliquant sur ce N. Vous avez plusieurs modes. Donc, le mode multiplier, obscurcir. Vous avez absolument tout. Il faut faire des essais et prendre le mode de fusion qui convient le mieux. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. L'opacité du calque, elle se règle ici. Et donc, voilà pour ce que je peux vous dire sur les calques. Vous voyez, c'est ultra simple. Petit truc, vous pouvez également grouper vos calques. Alors pour cela, il vous suffit. Vous sélectionnez donc un de vos calques et en fait, vous swipez sur le côté les autres. Et là, vous avez une petite option qui apparaît, grouper. Et vous appuyez sur grouper et hop, vos calques sont groupés. Donc vous pouvez bien évidemment nommer le groupe. Et puis, donc voilà, très pratique également. Alors, maintenant, en termes de dessin, ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous voulez supprimer un calque, il vous suffit de faire un petit swipe à gauche. Et là, vous avez le menu qui apparaît, vous pouvez le verrouiller, le dupliquer ou le supprimer. Donc là, on va faire supprimer. Alors, Procreate, ce qui est très chouette avec, par exemple, c'est, vous voyez, quand vous dessinez, vous pouvez vraiment contrôler du bout des doigts votre feuille. C'est vraiment très très confortable. Et alors, lorsque vous dessinez, si vous souhaitez effacer un trait, il vous suffit de tapoter avec les deux doigts et ça efface les derniers traits. Si vous souhaitez revenir sur sur le fait d'avoir effacé, c'est trois doigts, comme ça. Autre chose, si vous disposez du dernier iPad Pro ou en tout cas du 2018 et que vous avez bien évidemment le Pencil 2, il existe une petite feature tactile dessus qui est vraiment très pratique. Vous pouvez tapoter donc sur le côté du stylet. Et là, en fait, moi j'ai réglé pour que ça me passe de la brush à la gomme. Donc ça m'évite à chaque fois de revenir dessus. Donc là, vous voyez là le symbole, le bleu est sur la gomme. Donc là, je suis sur la gomme. Je tapote deux fois et là, je passe à la broche. La couleur. Alors, donc votre couleur, vous avez la palette classique. Vous pouvez également, donc vous avez deux types de palettes. Vous voyez, vous avez le disque. Moi, je préfère celui-là personnellement. Ou si vous préférez, vous avez le carré. Vous pouvez créer vos propres palettes également. Très pratique. Petite nouveauté très sympa, vous avez les couleurs complémentaires avec Procreate 5 qui sont arrivées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir de votre couleur que vous avez sélectionnée, il va vous déterminer la complémentaire. Et vous voyez, si je déplace la complémentaire bouge également. Et à ce moment-là, donc, vous voyez, vous faites par exemple, hop, vous dessinez avec votre couleur, vous sélectionnez la complémentaire et il va vous mettre la complémentaire. Vous avez plusieurs types de palettes complémentaires. Donc là, j'ai la complémentaire simple. Vous avez également les complémentaires adjacentes. Vous avez également l'analogue. Donc vous avez les couleurs proches. La triadique. Ça, c'est vraiment super. La tétradique. Donc vous avez plus besoin d'avoir une roue des couleurs complémentaires, vous avez absolument tout ici, ce qui est vraiment, c'est vraiment génial. J'adore cette feature. Donc une fois que, donc là c'est pour les harmonies. Ici vous avez les valeurs, donc vous pouvez régler absolument tout.
et les palettes. Évidemment, vous pouvez créer vos palettes, les palettes pour la peau, pour que sais-je, absolument tout ce que vous voulez. Donc voilà, là on a fait le tour de absolument toutes les features quasiment qui sont possibles, qui sont disponibles sur Procreate. C'est un logiciel que j'aime beaucoup, qui est vraiment très agréable à utiliser. Par exemple, je suis une allergique à Photoshop, j'ai beaucoup de mal à utiliser Photoshop, mais avec Procreate, on se sent vraiment très libre. Et donc, juste après, je vais vous montrer en timelapse, bien évidemment, comment je travaille un dessin de A à Z sur ce formidable logiciel. Donc, nous voici sur la partie où je vais vous montrer un petit peu comment je travaille. Je travaille plutôt de manière assez classique, comme n'importe quel autre logiciel de dessin numérique. Je commence toujours par faire d'abord mon croquis. Ensuite, je réalise un ancrage et ensuite je fais ma couleur et je choisis de faire soit une couleur franche où je garde mon line, soit un painting. J'aime beaucoup travailler en painting sous Procreate. Je prends en compte la limitation de calque quand je travaille en faisant attention à ne pas prendre une résolution trop élevée si je dois utiliser beaucoup de calque. Ou en tout cas de m'arranger avec cette limitation comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Donc là, la sensation de dessin est vraiment très agréable. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce logiciel, c'est très naturel, c'est très fluide. Pour les ancrages notamment, c'est vraiment ultra agréable. Je pense que je suis pas la seule à le penser. C'est vraiment pas pour faire de la pub gratuite, je vous assure que c'est vraiment un avis qui est personnel. Mais ouais, dessiner sous Procreate, c'est vraiment une sensation assez différente des tablettes classiques. Pareil pour tout ce qui est couleur. La couleur, c'est également très agréable à utiliser. J'ai trouvé mes habitudes de travail, en tout cas mes brushes préférées, ce que j'utilise pour faire le blender aussi. À vous de trouver les brushes qui vous conviennent. Ça va peut-être vous demander un petit temps d'adaptation comme n'importe quel outil. Ce temps est important, ça peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines parfois. Mais il faut vraiment que vous trouviez vos outils préférés. C'est très important, donc il faut farfouiller sur internet et pas hésiter à regarder d'autres vidéos, souvent ils mettent leurs ressources. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos tuto. En tout cas, j'ai adoré faire celle-ci. Merci à tous et à très bientôt.